C'est un problème de rat dans une chaufferie, donc dans une maison entièrement rénovée et c'est une maison de standing. Alors, un nouveau convecteur ici, une nouvelle chaufferie, mais malheureusement, donc depuis quelque temps, il y a un problème donc de rat. Ça avait été solutionné. On avait mentionné donc un problème au niveau de remblai, je pense. Donc à ce niveau-ci, par exemple. Ici. Et alors. Et donc on voit bien qu'ils sont revenus parce que il y a une semaine, donc il n'y avait aucune crotte. Et on voit donc de nouveau une quinzaine, une vingtaine de crottes. Et qui rentrent même dans la chaufferie. Hein. Donc là, elle est toute nouvelle. Alors le gros problème se situe ici. À ce niveau-ci. Et alors ici, on voit bien les traces, hein, donc le brun, vous voyez ici, tout ça c'est brun de passage. Et alors ici, il faudra fermer tout ça. Voilà, ici, il faudra tout fermer. Alors ici, on a dû mettre un produit empoisonné assez efficace, c'est très redoutable. Et on voit donc une consommation. Donc on va le mettre ici pour vous montrer. Et on voit que ça a été consommé. C'est un des produits les plus efficaces sur le marché. Alors, on va faire une inspection par endoscopie. Donc, au niveau de cette entaille, ici, et le long de l'évacuation, ici, qui apparemment est condamnée, mais à mon avis, où il y aurait une connexion avec cette chambre de visite ici. Voilà. Donc, vous verrez le film juste après ceci. Alors, le problème se situait ici. Donc, à la chambre de visite. Donc, il y a un écoulement ici qui a été placé récemment, qui descendait dans la chambre de visite. Ils ont fait une tranchée. Mais derrière la tranchée, comme vous voyez, il y a le passage. Ici. Et donc, on est dans le remblai. Et puis, ils vont dans la saillie. Ils vont dans la saillie qui se trouve à ce niveau-là, ou celle qui se trouve ici, qui est beaucoup plus proche. Voilà, CQFD.